Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, il va être question du protocole à adopter au téléphone lorsque la ligne coupe. Qui doit rappeler? Est-ce la personne qui a parlé en dernier? La personne qui était en train d'expliquer quelque chose, en train de partager, de faire la conversation à ce moment-là? Non. Lorsque la ligne téléphonique coupe, lorsque vous passez sous un tunnel, c'est à la personne qui a composé le numéro de rappeler. Et oui, toujours, même si c'est vous qui étiez en train de parler à ce moment-là, non, si on vous a appelé et que la conversation, enfin la ligne a coupé, c'est à votre interlocuteur de recomposer le numéro et de vous joindre à nouveau. Voilà. Faites bon usage de cette règle, ne vous appelez pas en même temps. On se retrouve prochainement pour une nouvelle leçon d'étiquette, de protocole, de savoir-vivre. Rendez-vous sur le blog apprendrelesbonnesmanières.com. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.